Ce matin, les dernières boîtes de conserve sont évacuées. Mercredi soir, les Restos du Cœur installés ici depuis 7 ans ont subi les conséquences d'un incendie dans des locaux voisins. Au total, 150 kg de produits frais n'ont pas supporté la chaleur des flammes. Sur l'ensemble de ces étagères, nous avions des boîtes de conserve en grosse quantité, des pâtes, des produits, des desserts, des gâteaux, du chocolat, enfin tout ce qui permet à une famille de se nourrir, ce qui représente en gros 12 tonnes de produits. Nous avons réussi à le mettre à l'abri très rapidement dans le courant de la journée d'hier grâce à une mobilisation de nos bénévoles et grâce à l'aide aussi de l'antenne départementale qui nous a fourni des camions gros porteurs pour l'emmener à Évreux. Cet après-midi, 130 familles auraient dû venir récupérer de la nourriture. Ce ne sera pas possible. Pour la cinquantaine de bénévoles, la déception est grande. Qu'on s'en prenne à toute la structure qui est vraiment au service des habitants, les plus nécessiteux en plus. Non, ça je le comprends pas. Même si les bénévoles réfléchissent à des solutions pour poursuivre la distribution, pour le moment, ils restent dans l'attente du passage de l'expert qui doit évaluer les dégâts.